Mana chika yo kona Mosika na yo vinanga na pas Mosika na yo vinanga na somo Eo Papi yo Osa mote mananga, ezana sanjola ye E matina moli monanga yo Na yemba yonga ye, e kotina mabanzo nanga yo Choba Osa mote mananga Osa mote mananga Tina molimo ayo na yemba yo na kwako tina mabanzo na tombo longa baba e baba 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 e baba 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 igwe baba sambo baba igwe baba Finanga yuma pona yo Abenanga bolole pona yo Kasi posa mote mananga Ezana tombola ye Posa mote mananga Ezana san E matina molimo Commencement, la parole, et la parole, et la parole, et la parole, et Christ, et Christ, radio, radio, parole vie, parole vie, la radio qui la donne radio la vie, qui donne à travers la parole, vers la parole. Grote shalom, cher bien-aimé de mon Seigneur, cher peuple des dieux, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la radio Parole Vie, la radio chrétienne. Où était Akabiso Sangomalamu et Akolonabiso Yesu Masia de Nazareth? Merci Bandeko Katinankolo, Bebozami partout à travers le monde entier, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, tout comme en Afrique, Bebozami, de Bokati Pongini Pona Kosomba Tokoteka, bien-aimé de mon Seigneur, Kasi Pona Koyoka de Lubananzam, bien-aimé de mon Seigneur. Bananzambe ndiye angweza mutu ya pona vya mutu. Christ azolo banaba disciple, pena foule. Le parole que je vous ai dite, sont esprit et vie. Bamaloba ona yibisibino. Eza nzotote, eza pe koufate. Mais eza esprit, pe eza vie. C'est la parole de Dieu qui nous communique la vie. En Christ, pepe sarabiso esengo. Katkata mutema. Bien-aimé, ezabluke beleto lukato zona mukili to zwango kasi imemela biso kimiate ni esengo. Bien-aimé, kimia ezakatine lubana nzambe.
Voilà pourquoi Jérémie Zolbana chapitre 15, verset 16. Je recueille tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Bien-aimé, Nazoté, mon frère, ma soeur, Nakata studio à Radio Parole Vie. Mon frère, ma soeur, car ce message au pandake, ils ont quoi dans ma touinayo, ils ont aussi mon thème. Afin que, aimer ma changement, aimer ma transformation, parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour convaincre, corriger, enseigner, et pour nous instruire dans la bonne voie. Bien-aimé de Seigneur, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Nazamwana yamutwa kundima. Bien-aimé de Seigneur, moi na musena nzambi l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Mon frère, ma sœur, nalibaku epesamelinga na tongwa lelo tokabula sango mala. Na occasion topé na célébration otuza ngona mikolo. Il y a 4 ans d'existence à Radio Parole Vie. Oye, semaine prochaine, Kobanda jeudi, nous avons une grande activité. Jeudi, vendredi, samedi. Peu lundi, tu as chuté dans l'eau. Lundi, tu as l'obité, mais lundi, tu as. Donc, jeudi prochain, nous avons cette grande activité à ma famille. À l'occasion, il y a 4 ans d'existence à Radio Parole Vie. Bien-aimé de nous, Seigneur, nous avons partagé le thème. Oye, Zali, je ne suis pas infirme. Naza infirmité, je ne suis pas infirme. Par la grâce de Dieu, t'aime auto continue en lobby samedi dans le sambo pour qu'il habille. Puis lundi na intercession internationale des familles. Bien-aimé toko banango. Je dis mété. Bien-aimé de Seigneur, tu vous as béni par la grâce de Dieu. Bien-aimé, nanga to tanga directement ma commune Nzambe. Merci papa, merci maman. Tosa na évangile ya Luc chapitre 13. Toba na 10e verset. Ti na 11e verset. La Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Christ, abanda ki ko enseigné, denga na zote ya sango malam, mon frère, ma soeur, maman, papa, ne naza ko enseigné liloba. Parce que na église primitive, na les actes des apôtres, chapitre 2, kubana verset 42. Bien aimé, na église, ba fani samaki na ba enseignement à ba apôtre, na prière, na fraction de pain, pe na communion fraternelle. Et loko o simbaki lingomba ya yambo. Tope église primitive. Bien-aimé, moi nanzambe afin sa makana enseignement. Azwa conscience pe interpellation. Pour ebalo lengeni ne sengeli na y comprendre. A comprendre c'est quoi la prière, c'est quoi le message. Bien-aimé de Seigneur. Pe azwa lumière ya boye bi nzambe. Christ azako enseigné na moko ba synagogue. Na cinéma nae ezo pesa ma mukolo ya sabbat. Mukolo ba tubasala ate. Mukolo ba tubabima ate. Mukolo ba tubabika ate. Mukolo ya sabbat. Mukolo ezalaki sacré pour na ba Yuda. O mutu akosala lelo kote ate za pour na bolamu ya mutu. Ekosala mate pourquoi parce que mibeko et fani samaki loi sabbatique et empêchaki batu basala et empêchaki même batu babika mukolo yango ezaki ba limite loi eme makabandelo. Bien aimé du Seigneur, mibeko eme makabandelo o simbate o kotate o zwate o kendete o fungomate o tikalona. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Loi est déclarée Mukoloana un jour sacré. Mobeko. Or la Bible dit la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Évangile à Jean chapitre 1 verset 17. Christ a enseigné Mukolo à sabbat.
Mokolo zala ki sacré pona ba Yuda. Bien aimé dans le Seigneur, parce que ba fani sa maki mingi na tradition pe na ba coutume. Ba fani sa maki mingi na loi ba Yuda. Bien que Christ ayaki, bien que même ki lumière pona ko éclairer mi beko. Bien aimé dans le Seigneur, kasi bango ba zaki plus attaché na loi et non la grâce. Bien aimé Christ même le ki bisongolu. Amema ki grâce. Amema ki ngolu, cher bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Christ a enseigné, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et zala ki na mwasi moko wana. Pendant que Christ a enseigné, mwasi ango azala ki possédée na esprit oyo échangea qui est forme et comme ici est infirme. Et ça batou msou pendant que je prêche la parole, Satan a commissé infirme, a commissé santé na infirme, a commissé estomac na infirme, a commissé cœur na infirme, a commissé bon mot na infirme, a commissé ma pensée na infirme, a commissé vie de prière na infirme, a commis sa projet na infirme, a commis sa famille na infirme, un esprit méchant. Mon frère, ma soeur, ba commis sa moi au infirme, ba si li sa esengo ko vivre, ba si li sa esengo ya bon mo sans sa vie, a botama bongote, ma commis infirme na moukil, et zamba te bela botama te na situation koutien nango, a botama te na position koutien nango. Mais ma réalité à vie, mi tumba à vie, et comme ici infirme. Mon frère, ma soeur, son moni moutouna incapacité moko songolo, yaya, ou sekate. A bota matan moussous bongo ta kouta moko kouta, zongo na moukili. Le lo moukile zo bebi sa vie abatou. Le lo jalousie zo détruit vie abatou. Et za batou belé mouteme comme infirme, pourquoi? Parce que moutou moko. A moni sango passe. Moutoumo ba faire comme infirme. Pourquoi? Parce que virus moko kotaki. Et détruit finance et détruit commerce. Et zan batou moussous ou réalise ba koti anon ba infirmité spirituelle. Bien infirmité cause à la physique. Tout comme spirituelle. Infirmité cause à la physique. Tout comme spirituelle, bien aimé. Yaya infirmité c'est quoi? Moutou azala ki na infirmité moisieux. Bien aimé, infirmité ça tout simplement affection congénitale ou accidentelle. Et cause de l'eau mon moutou a botaminango, tu as coûté non amkil. Ou eza ko gêné, pe eza ko empêché ye, ya ko fonctionné. Le lengue sengé la fonctionné. Bien aimé dans le Seigneur, esprit. Obiso na tiki muto eza passe na komise infirme. C'est qui l'infirme? Infirme aza muto qui est affecté d'une infirmité, qui manque de force, qui est imparfait naturellement. Muto aza tende nzamba salaye akukuta peut-être na problème au songolo tom so akuta na chaque mot au songolo. Et Zamba tombe ba kuka ko supporter parfois choc et rendait infirme. Et rendait moralement infirme. Physiquement parfois infirme. Spirituellement infirme. Ko sambela ko sambela te. Ako tanga biblia te. Pourquoi? Parce que sa vie chrétienne est infirme. Bon, on est ma bonne de le comment infirme. Azali suna ma kasite. A commis imparfait naturellement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que ça appelle Kapono mon frère, Kapono ma soeur. On te sent mal mon frère, ma soeur. Pour Nathalie Sayo, et Seigneur Oboya, infirmité wana. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jabazol, ce que je crains, c'est ce qui m'arrivera. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé. Infirme, c'est qui? C'est quelqu'un qui a des limites. Moutou Azana Bandelo,
Tom Souba Tchelo Bandelo, mon frère. Oui, c'est vrai, au quota 2024, nous allons en janvier. Tom Souba Tchelo Bandelo, quota na yo. Mais l'eau qu'on a dans poso qu'on soit. C'est une infirmité. Bala na yo, mais bana ozoate. C'est une infirmité. Tanga na yo, j'en ai diplôme, mais moussala ozoate. C'est une infirmité. Teka na yo, mais bénéfice ozoate. C'est une infirmité. Voyage na yo, mais moussala ozoate. C'est une infirmité. Et infirmité. Infirmité, mais la moutou ngomba. Mais la moutou ba barrière. Mais la moutou ba limite. Mais la moutou ba incapacité. Le cause de la incapacité physique, tout comme spirituelle. Parce que l'homme a la partie physique et la partie spirituelle. L'homme a deux parties là, spirituelle et physique. Il y avait un esprit. Eux, mais qui ont incapacité, n'a pas moins monsieur. Barande monsieur incapable à kosomba, incapable à koteka, incapable à kobala, bien aimé dans le Seigneur, incapable à kobanga nzambe. Mais ce que j'ai aimé na moi na monsieur, la Bible dit azaki présente na synagogue. Infirmité na longola qui était na présence nzambe. Infirmité na bimisa qui était na présence nzambe. Infirmité na ye et empêcha qui était aya na synagogue pour écouter Jésus. Son infirmité ne l'avait pas empêché de venir écouter la parole de Dieu. Ma problème na zaki nango et empêcha qui était ayoka nzambe. Son nazala ki nango et empêcha qui était ayoka nzambe. Pas sa zaki nona mutema et empêcha qui était ayoka nzambe. Alemba ki te na kolukelo nzambe. Malgré ses problèmes, malgré son infirmité, ma genyo sa koutena nango, mais moi je suis alemba ite. Mon frère ma sœur ko lemba te le sambo. Tom Soko Babana Banda Osama na radio parole vie. 4 ans ngo, 3 ans ngo, 2 ans ngo, 1 année ngo, 6 mois ngo. Non mon le côté, mon frère. Moi ce cette femme avait persévéré. La Bible a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette femme, malgré son infirmité, elle était présente dans la synagogue. Azaki présente. Moi, je suis à comment qu'infirme était la volonté na imoko. À comment qu'infirme était la volonté à batu. Ni la volonté à nzambe, mais la volonté à esprit. Moi, je suis infirmité na ye, ça a duré tellement. Et ça l'a qui 18 ans. Alléluia. 18 ans. Moi, on a 18 ans, c'est un majeur. À cochiner contraint de travail. À kobala. À cause ça, la contrainte, nous sommes en train de poser ça. Pourquoi? Parce que c'est un majeur. Donc, infirmité à Monsieur et comment qui majeur? Infirmité à Monsieur et cola qui? Tom soupe infirmité, nous sommes écolis. Tom soupe célibat, nous sommes écolis. Tom soupe chômage, nous sommes écolis. Bien aimé. Tom soupe coléra, nous sommes écolis. Tom soupe sonni, nous sommes écolis. Tom soupe stérilité, nous sommes écolis. Tom soupe maladie nous sommes écolis le col à moisieu. Tom souci écolis. Au bas même qu'on semble la peau nango. Parce qu'on semble la nango tellement trop aux joies réponses. N'est apôtre pour la bonne de la qui. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Dans verset 5, apôtre Paul Azor Banati Nanaye. Dans verset 8, la Bible dit apôtre Paul Abi. Dans semble la qui trois fois pas une nzambe. Natina et char de haut. Et botinga nan zoto. Natina boss et botinga nan zoto. J'ai prié trois fois. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. La puissance de Dieu, bien-aimé, parfois s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la force. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Abi, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Bien-aimé. L'infirmité de cette femme a duré 18 ans. Tom Souba Tchelo une année, monsieur Lembi. Moi, na monsieur Ayaki na temple, parce que le biko a osango na temple. A osango te nandako, a osango te na wendi, a osango te nandela, a osango te sika moussala, mais na temple. Radio parole veut que vous pas osala église pour na yo papa, maman.
onzamba ko lekela onzamba ko utiliser pour na bolamu comme le pa ezwami dans n'importe quel coin ya mukili dans n'importe quel coin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, monsieur aumela 18 ans, la Bible dit elle était courbée agumba maki, alléluia, infirmité et péché forme monsieur agumba maki anoko ateko lamuka ezaba tobele musala se gumbama libala se gumbama yaya ezaba tobele si bagumbama tom su bagumba déjà santé na yo tom su si bagumba vie na yo yaya bien meto comme na biso na suka non di ma Christ otika biso to sala biso ngulu pe bolam non di ma bolingo ngulu pe bolam ya Christ bien aimé ezo so panata uno so likolo na biso tika bolingo ngulu pe bolam ya Christ bien aimé. Et bien, la bise paye web tous amis. Bien aimé, le 22 janvier, et à lundi prochain. Bise au tombeau la monzambe. Bien aimé, lundi à le 29. Lundi à le 29, parce que tu as chité dans le sang, mon abiso. Né au tombeau dans Zambé dans l'ensemble, tu as une activité jeudi prochain. Il nous a contacté, et salut plus, t'es à 43 89 75 70 917. Un grand merci, l'ingénieur Chris Kundenga Enoch. Tu bandes une vision haut. Na katia le sambo. Tu présentes pas notre tête à bisou, mais ta pèse à bisou nzela. Bienvenue dans le Seigneur. Na basse nanzam mousous. De l'eau 4 ans. Tu habites au kangama beaucoup de photos ton nanzam. Ben me solingo kum sapinza mena bisou et longo na 4e anniversaire haut. Yaya. Nzambo ton dimela, yesu messia nazagata aux angates au salon goloupe bolam. Merci tout comme inasuka. Ce qui Christ a mis en réalité, tout le monde a mis en réalité, na biso na continuité à thème ou na za infirmité. Si vous avez mis en réalité, Christ a mis en réalité. Merci. Que Dieu bénisse. Au commencement, était la parole. Et la parole. Et la parole. Et la parole. Christ. Et Christ. Radio. Parole vie. Parole vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. La parole.